Comment éliminer les mauvaises odeurs des chaussures grâce à 5 remèdes maison? En plus d'avoir recours à ces remèdes, pour éviter les mauvaises odeurs nous devons avoir une parfaite hygiène des pieds et essayer de ne pas porter nos chaussures sans chaussettes car la transpiration favorise leur apparition. Nos pieds sont exposés à la transpiration, aux bactéries et à d'autres agents environnementaux qui, au contact de la chaussure, produisent une odeur désagréable. Cette situation, gênante pour tout le monde, peut devenir un motif de stress social, surtout lorsque la personne doit enlever ses chaussures devant d'autres personnes. Le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas comment les prévenir et, malgré un nettoyage de leurs pieds, ils continuent d'en souffrir. De plus, certains matériaux influent sur leur apparition, ce qui rend leur élimination complète difficile avec des produits conventionnels. Heureusement, il existe des solutions d'origine naturelle qui, par leur application, neutralisent les mauvaises odeurs tout en éliminant les bactéries et l'humidité qui les engendrent. Ci-dessous, nous souhaitons vous partager les 5 meilleures solutions afin que vous n'hésitiez pas à les utiliser lorsque vous aurez à faire face à ce problème. Prenez note. Lavande. Les feuilles de lavande sont une solution économique pour éliminer cette mauvaise odeur qui reste souvent à l'intérieur des chaussures. Elles possèdent des propriétés aromatiques et antibactériennes qui, ensemble, éradiquent ces odeurs de transpiration et de saleté. Ingrédients. 6 brins de lavande. Préparation. Séparez les brins de lavande, de manière à en avoir 3 dans chaque chaussure. Faites-les sécher pendant quelques heures. Méthode d'utilisation. Introduisez les brins dans chaque chaussure et laissez-les agir toute la nuit. Répétez leur utilisation tous les jours, même si l'odeur est partie. 2, camomille. Si les fleurs de camomille ne sont pas aussi aromatiques que celles de lavande, leur utilisation peut également contrôler les mauvaises odeurs dues à la transpiration. Elles absorbent les restes d'humidité et empêchent que les bactéries continuent de s'y répandre. Ingrédients. Cinq cuillères à soupe de fleurs de camomille sèches, 50 g. Ustensiles. Sachet en toile. Préparation. Coupez les fleurs de camomille puis introduisez-les dans des petits sachets en toile avec des aérations. Méthode d'utilisation. Placez les petits sachets dans chaque chaussure et laissez-les agir toute la nuit. Utilisez ces petits sachets tous les jours pour éviter la réapparition des odeurs. 3, amidon de maïs. L'amidon de maïs est l'un des ingrédients les plus recommandés pour l'élimination de ce type d'odeur, car il absorbe l'humidité et régule le pH. Son application dans des chaussures crée un environnement sec qui empêche la prolifération des mycoses. Ingrédients. 4 cuillères à soupe d'amidon de maïs, 40 g. 4 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé.
préparation. Mélangez l'amidon de maïs avec quelques gouttes d'huile d'arbre à thé. Méthode d'utilisation. Placez quelques cuillères à soupe du produit dans chaque chaussure. Laissez agir toute la nuit et jetez-le, le lendemain. Utilisez-le au moins 3 fois par semaine pour éviter que les mauvaises odeurs ne réapparaissent. 4, écorce de citron. L'écorce de citron possède une forte odeur d'agrumes qui peut neutraliser l'odeur désagréable qui se forme dans les chaussures. Ces huiles naturelles contiennent des agents antibactériens et antifongiques, ce qui permet d'éliminer les micro-organismes à l'origine de ce problème. Ingrédients. L'écorce de 2 citrons. Préparation. Coupez les écorces de 2 citrons en petits morceaux. Méthode d'utilisation. Introduisez les morceaux d'écorce dans les chaussures et laissez agir au moins 12 heures. Répétez l'opération jusqu'à complète élimination des odeurs. 5, bicarbonate de soude. L'une des astuces infaillibles pour nous débarrasser de la mauvaise odeur dans nos chaussures est ni plus ni moins le bicarbonate de soude. Ce produit multi-usage aide à absorber l'humidité qui s'accumule à l'intérieur, tout en empêchant que les bactéries et les mycoses ne continuent de se propager. Ingrédients. Quatre cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 40 g. 6 gouttes d'huile essentielle de citron. Préparation. Combinez le bicarbonate de soude aux gouttes d'huile essentielle de citron. Méthode d'utilisation. Répartissez le produit à l'intérieur des chaussures et laissez agir entre 8 et 10 heures. Puis jetez les résidus et nettoyez-les avec un linge ou une brosse. Répétez l'opération au moins 3 fois par semaine. Vous n'avez pas réussi à vous débarrasser des mauvaises odeurs dans vos chaussures? Si les désodorisants commerciaux ne vous ont pas aidé, essayez l'un de ces remèdes et dites adieu aux mauvaises odeurs une bonne fois pour toutes.